Bonjour à tous. Bonjour tout le monde. Vous allez bien? Aujourd'hui, nouvelle séance de gym douce dynamique. On va essayer de travailler l'ensemble du corps. Bon, premièrement, j'imagine que vous êtes tous en attente de cette petite question, cette réponse. La couleur de la voiture de John Travolta. Hein? Elle est grise, tout simplement. Bon, allez, c'est parti. Aujourd'hui, comme hier, travail en série. 4 exercices différents que l'on va répéter 3 fois. Premier exercice, déflexion canard. Donc, je vais demander à maman d'écarter ses pieds un peu plus que son bassin. On ouvre. Bien. Et on va chercher à emmener ses orteils vers l'extérieur. Hop là. On a une petite balle, un petit bois, peu importe, une pomme, une orange. Je vais vous demander, en fléchissant vos jambes, donc d'emmener vos genoux dans l'alignement de vos orteils et d'emmener la balle devant vous. Je descends, j'emmène. Je remonte, je repositionne la balle. Où ? L'orange sur votre poitrine. Et c'est reparti. Je descends, je remonte, j'inspire, je descends, je souffle, je remonte, j'inspire, je descends, je souffle, je remonte. On est parti sur 15 répétitions. Elle est déjà au 5e. 6. Vous voyez, on a surtout une grosse ouverture au niveau des hanches. Vous faites en fonction de vos possibilités. Si jamais l'ouverture est plus restreinte, elle est plus restreinte. Ce n'est pas dramatique. Objectif, sensibiliser la partie intérieure des cuisses. Je suis déjà au 10e, il en reste plus 5. 4 maintenant. 3. 2. Encore une. Très bien. Je peux poser mon petit poids au sol, on n'en a plus besoin. Et on va se mettre à 4 pattes. Je vais demander à maman de mettre ses genoux en dessous de ses crêtes iliaques et ses mains en dessous de ses épaules. Le regard bien vers le sol pour aligner sa tête avec sa colonne vertébrale. On va chercher à éloigner une de nos jambes 10 fois de suite du sol et chercher à aller toucher le mur derrière vous. Je vais loin de manière à avoir une contraction au niveau des fessiers. L'ensemble du corps reste stable. On est gainé. On pousse loin vers l'arrière. 10 par jambe. Allez, encore. Et je recule. Et je tire, j'emmène loin. Oui. Toujours cette stabilité au niveau du haut. On sent que les abdominaux ne bougent pas. Le nombril regarde toujours le sol. Il en reste 2 de ce côté-là pour nous. Bien. Encore une. Parfait. On change de jambe. Même principe. Allez. Je reste stable. J'emmène loin derrière moi. Si je suis assez à l'aise pour le faire, je peux même chercher à aller un petit peu plus haut avec mon pied. Allez chercher vers l'angle du mur que vous voyez derrière moi. Voilà, de manière à avoir une contraction fessier un peu plus importante. Parfait, je suis déjà à 3. Allez, et je tire, j'emmène, je reviens. Et je tire, j'emmène, je reviens. Oui, c'est parfait. Allez, il va nous en rester 3 justement, juste 3. Plus que 2. Ça va commencer à chauffer hein, au niveau du bas du corps. Encore une dernière. Parfait, petite pause. Étape suivante, quasiment le même exercice, mais on va rajouter le bras opposé. J'appelle ça Superman ou Superwoman, comme vous voulez. L'objectif est d'emmener, par exemple, la jambe droite vers le mur et le bras gauche vers l'avant. Et je cherche à répéter ce même exercice 10 fois de suite également. J'écarte mon corps, je reste stable, gainé. Cet exercice est plus difficile. Si vous avez besoin d'un point d'équilibre, cherchez pour l'instant à emmener uniquement le bras. Laissez votre genou au sol. Si tout se passe bien, vous pouvez faire les deux en même temps. Voilà, elle vous a montré l'exemple une fois. Allez, je continue. 10 par jambe également, hein. Je suis au 6e. Il en reste 4 pour nous. Bien. Donc là, on a un vrai travail au niveau de la ceinture abdominale, hein. De stabilité, d'équilibre. Muscles profonds. Il va en rester un dernier, un petit dernier. J'emmène et je repose. Ouh. L'autre côté, on a fait la jambe droite, on a monté la jambe gauche et bras droit. Allez, c'est parti. J'emmène, je m'étire, je vais loin. On a automatisé le geste de la jambe depuis tout à l'heure. Donc, pas besoin d'y penser, vous savez où elle va, où elle se dirige toute seule. Concentrez-vous sur votre équilibre, sur votre posture, sur le fait de ne pas bouger. Je suis au 4e. Encore. Bien. 5. Allez. 6. 7 en nous. Je regarde toujours le sol. Encore. 8.
9. Et la dernière, 10. On peut souffler, se redresser et on va enchaîner sur un nouvel exercice qu'on appelle le pont. Alors, c'est un pont un peu particulier. Pour ceux qui font du pilates, ce n'est pas exactement le vrai shoulder bridge. Là, on est sur une gym douce. Donc, vous allez voir, je vais demander à maman de monter pour aligner ses cuisses avec son ventre. Donc, elle va décoller ses fesses du sol. Bien. Les épaules sont éloignées des oreilles et elle va tout simplement chercher à faire 15 tout petits mouvements où elle va descendre ses fesses, top, s'arrêter dans le vide et remonter. Elle descend ses fesses, top, et elle remonte. Donc on ne va pas toucher le sol. On s'arrête dans le vide. Et je remonte 15 fois de suite. Travail des fessiers, des ischio-jambiers, toujours de nos amis des quadriceps. Je suis déjà à 6, hein. Allez, courage. 7, 8, 9, on y est presque. 10, encore. 11, 12, 13, plus que 2, 14 et 15. On peut redescendre. Bon, on a fait le tour de nos 4 exercices pour la série. Objectif, réaliser cette série 3, 4 fois en fonction de vos possibilités. Je vous répète l'ensemble des exercices. Flexion, canard, j'ouvre. On le fait 15 fois. Travail d'étirement d'une jambe. 10 fois par jambe. Superman, superwoman. Jambe plus bras. 10 fois également. Et le dernier, le semi-pont, où on va se mettre en position dos, chercher à monter ses fesses vers le plafond et les redescendre, mais on s'arrête avant le sol. 15 petits mouvements. Ensuite, vous buvez un coup, faites une pause d'une minute et on recommence. Bon. On se dit à demain. Bon après-midi. Passez une belle journée. Au revoir. À demain. Au revoir.